Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir, merci d'être à la Procure. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir pour un livre particulier dans votre œuvre, je trouve, un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, La vengeance du pardon. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais en quelques mots, pouvez-vous nous dire quelle a été la genèse de ce livre ? La genèse de ce livre, c'est la réalité, c'est-à-dire il y a 20 ans, l'avocat d'un tueur en série qui avait défrayé la chronique me parle de la mère d'une des victimes qui, après le procès extrêmement décevant, va visiter l'assassin de sa fille en prison. Et il me dit, qu'est-ce qu'elle cherche ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Alors voilà, pendant 20 ans j'ai médité et je lui réponds aujourd'hui en écrivant cette nouvelle qui s'appelle La vengeance du pardon. Et puis elle est venue avec ses petites sœurs, parce que c'est comme ça que mes livres de nouvelles se font, c'est-à-dire plusieurs nouvelles qui ont en commun le thème, ici le thème du pardon, et chaque histoire est différente mais éclaire le pardon d'une couleur différente. Parce qu'en fait il y a toutes sortes de pardons. Il y a le pardon chrétien, le pardon par amour, il y a le pardon égoïste, le pardon pour avoir la paix, il y a le pardon politique, le pardon pour faire la paix, il y a le pardon poseur pour avoir le beau rôle, il y a toutes les couleurs dans le pardon. Et je parle à la fois de la difficulté de pardonner, de la nécessité de pardonner, mais aussi de l'impardonnable.